Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler astuces, idées de cadeaux et aussi j'ai eu aussi pour vous une présentation, une petite présentation colis d'Amazon que j'ai reçue. Sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que ce sont vraiment des que je vous ai trouvé par moi-même. C'est vraiment à titre gratuit. C'est bientôt la fin de l'année, on s'y prépare et on a envie de faire plaisir à nos proches. Et surtout, dans cette vidéo, je vais vous parler des idées de cadeaux, en particulier pour les grands-mères. Oui, je vais mettre nos grands-mères à l'honneur dans cette vidéo parce que la situation sanitaire est pas facile pour tout le monde et surtout, on a envie de protéger nos grands-parents, nos grands-mères, de quand même leur faire plaisir. C'est la fin de l'année et on veut les couvrir de bonheur, de cadeaux et on ne les oublie pas. Pour les protéger dans toute sécurité, je vais vous donner des astuces et des idées de cadeaux que vous pouvez leur faire, leur offrir et leur fera vraiment, vraiment très plaisir, je pense. Mais avant de vous faire cette petite présentation, j'aimerais vous donner quelques astuces. Pas toujours facile de trouver des idées de cadeaux pour nos proches et de pas trouver des cadeaux facilement. Il suffit de penser aux pièces de la maison. En pensant aux pièces de la maison, certainement les objets justement qui sont utiles ou de décoration dans ces pièces. Les objets qu'on trouve généralement par exemple dans la chambre, un coussin personnalisé avec Joyeux Noël à mamie ou une petite bougie, un livre. Ça, pour les grands-mères, généralement, que tu trouves dans chaque pièce. Ils mettent soit les toilettes, soit le couloir ou un cagibi pour trouver un objet dans cette pièce. Pour les petits budgets, donc je te propose aussi de faire un swap avec ta grand-mère et je pense que ça lui fera très plaisir de découvrir tous ces petits cadeaux avec un menu et tu sais bien comment ça se déroule un swap si tu connais. Sinon tu peux regarder ma vidéo sur la fête des pères. Je vais lui proposer un swap de fête des pères et je t'explique comment faire un swap. Te faire une petite boîte et offrir un tas de petits cadeaux. Je vais présenter un objet. Il y a toutes sortes de cadeaux comme un massage, mais c'est vrai que nos grands-parents, nos anciens, sont une génération qui ont du mal, qui sont pas très à l'aise avec les massages. C'est une ancienne mentalité. Et qui peut servir justement si ta grand-mère aussi n'est pas très à l'aise avec le massage, ce genre de masque pour les mains, parce que les extrémités de nos anciens ont besoin de soins, etc. Donc tu peux trouver ce masque pour les mains chez Action. Voilà, ça fait une idée de cadeau, par exemple, qui est vraiment pas cher, un moindre petit budget. Pose des astuces pour quand même respecter les gestes barrières, cadeaux, on s'embrasse, etc. Donc là, il faut éviter les tenir dans les bras, etc. Faire un bon massage pour les pieds. Ta grand-mère, elle va vraiment apprécier leur toucher les pieds ou les mains. Ce sera un peu plus acceptable pour eux, si possible avec un masque, à se faire un bon massage et soin des pieds et pourquoi pas d'offrir à mamie un soin des pieds. Alors pour cette présentation, voilà, j'ai reçu de chez Amazon U-Blocker. Je vais ouvrir ça, pareil. Voilà, puis donc il y a un petit appareil
magnifique. Absurde. Et qui est au prix de 16,99€. Alors, voilà. Comment ça se fait donc, donc on a diverses petites, je sais pas comment ça s'appelle, des petites éponges comme ça, rugueuses avec là avec des petites pierres qui ressortent ici. Donc il y a celle-là. Un peu le pied, ça se présente avec un petit chargeur et là on a un petit truc ici, un petit paquet d'explication. Alors dedans sur le produit une petite notice qui est tout en anglais, dommage. Cette machine a 3 charges en 3 heures, 60 minutes en 1 heure. Ce charging, les volts, c'est de 5 volts. Et en fait, bah, il s'allume là. Voilà, comment. Sûrement que tu me dis. Donc c'est facile de le changer. Là, ça se met comme ça pour appuyer. Voilà. Et ici, il y a là un peu plus lisse. Et il y a celle-là aussi un peu plus rugueuse pour les pieds, et à moindre frais, avec ce petit prix, elle pourra prendre soin de ses pieds, et déjà sur la main, c'est assez agréable, ça pique un peu, et elle pourra se passer, ça fait de l'air, c'est sur les pieds, hein. Après vous avez une petite brossette là, pour nettoyer les petites peaux rugueuses, hein, qui sont vraiment très sympa comme produit pour un petit cadeau que vous pouvez, parce qu'il faut pas les oublier en fin d'année. C'est pour vous, mais je sais que certaines personnes âgées, nos aînés, sont pas très à l'aise avec les massages du corps, etc. Ça peut être une alternative aussi et vraiment très agréable. Ça leur fera plaisir de lui offrir, hein, parce que les mesures barrières, ça n'empêche pas de toucher quand même certaines parties du corps comme masque, et pourquoi pas faire un petit soin des pieds ou des mains à vos aînés. Ça, en astuce, en fait, on touche les pieds, mais ça a un effet bénéfique sur tout le corps. Vous se lavez les mains, gel hydroalcoolique, un masque. C'est peut-être beaucoup moins cher que d'offrir un massage dans un centre spécialisé ou avec un thérapeute. Ça leur fera vraiment plaisir en fin d'année. Donc, cette machine, elle n'est pas fournie avec le chargeur. Donc, moi, j'ai pris mon chargeur de téléphone. Je l'ai mis comme ça dans... Il se branche avec l'embout et du coup vous le branchez, vous le laissez charger pendant voilà, je sais pas exactement, c'est marqué en anglais, c'est pas très clair, je vous avoue. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous a plu, j'ai pu vous donner quelques astuces, quelques idées de cadeaux pour vos grands-mères ou vos grands-pères en fin d'année. Pareil, je ne l'ai pas utilisé et je pense bien l'offrir en cadeau, pourquoi pas, pour un prochain concours des 1500 abonnés. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.